Salut tout le monde, bonjour, je ne sais pas si la caméra est enclenchée. Ah oui, je vois un petit point rouge. Depuis Douala, nous sommes où là? Ah, nous sommes où ici? On est en train d'aller à Kinder. Nous sommes déjà à Béti, il est 7h30. Voilà, je vais visiter mon site à Kinder. Le champ à Kinder. Bon, où nous comptons faire, voilà, nous avons commencé à débroussailler. C'est un champ, un terrain que on a eu depuis 2010. Non, 2010. C'est bien ça. Depuis 2010. Bon, on est retourné là-bas. Bah oui, effectivement, on est retourné quand? En 2014. Ouais. Ils sont retournés en 2014. Et là, on repart là ce matin. Donc, en principe, il y a eu du défrissage. Du défrissage. Et l'abattage sur à peu près 1,5 hectare. Parce qu'on a essayé de voir si c'était 1 hectare ou 2 hectares, je ne sais pas. Bon, j'ai les potes qui sont dans la voiture là. J'ai mon kawaii contre les motos. On va aller voir le site déjà, on va voir. Regardez la vue de Douala, là, en direct le matin, avec les bouchons. Et cette arrière, déjà les bouchons. Sa vie, ça grouille, ça travaille. L'Afrique, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Bon, à tout à l'heure. Ça prend. Il est 8h là. On a récupéré. Dieu donné qui va nous amener au champ. Dieu donné depuis 2014, on n'a pas eu. Ah bon, hein? Alors tu vas nous expliquer à peu près qu'est-ce que tu as déjà fait. Bon, déjà j'ai défriché, déjà j'ai mis la propriété. Ouais. J'ai pourri le. Tu as défriché combien de. 2 hectares et demi. 2 hectares et demi. 3 hectares. Oui. Ah, tu as défriché environ 3 hectares. Oui. Bon, tu as abattu quelques arbres. Oui, j'ai abattu et puis j'ai brûlé. Wow! Et le poulailler, moi je tiens au poulailler. Mon fils là, il veut faire un poulailler. On va essayer de voir des spécimens. L'espace, ça serait mieux à côté du cours d'eau. Il y a un cours d'eau. Non, l'eau, c'est un peu plus bas. C'est juste un marécage qui stagne généralement en saison sèche. Ouais. Bon, la saison de pluie, ça va un peu plus. Ah, d'accord. Donc, en ce moment, en saison sèche, le cours d'eau on aura a déjà tari. Ok. Déjà, bon, je dis, bon, l'environnement commence à être bien. Ouais. Bon, parce que les gens, entre eux, c'est depuis, comme, depuis 2014. Comme avant, oui, ben, il y aura du changement. C'est vrai que depuis que... là, c'était la brousse, hein, quand j'étais parti là-bas. Oui, c'est sûr. Ça allait plus vite. Ouais. Ça a un peu dormi ces derniers temps. Mais les gens, ils font des champs. Donc, le repas commence à être clair. À être, ouais. D'accord. Bon, on va aller voir alors. On va voir le chemin. Donc, on passe par Japoma. On passe par Japoma. Ouais. Par le stade. Par le stade, ouais. Le stade de Japoma. Déjà, il n'y avait pas cette route là en 2014. Il n'y avait pas cette route en 2014. Comme quoi. Il y a un grand changement de ce côté. Ah oui, absolument. 2014, c'était encore la route ici. Ouais. Ah ouais.
ça. Le stade, il avait. Ouais. Comme ça, on allait comme ça. Il y avait une personne qui construisait ou je sais pas où on voulait ou quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses. Ça a changé. Ah oui, ça a changé. Il y a une grande maison là-bas. Aussi. Mais non, il y a pas. Il y a un grand quartier ici. C'est le quartier où ça? Ici là. Oui. Quartier où ça? Ça, il y a le plus de là. Là, c'est. Oui, désolé. Gars, laisse-moi ici. Oui, j'étais. Dès que je serai à l'hôpital à 10h, le père ne m'aime pas. Je demande ça à Martin. Non, je demande à Martin, il m'a appelé cash. Cash à ça. Je demande à Martin, il m'a appelé cash. Cash. Cash par les deux. Ça a vraiment changé. Je me souviens. Moi, c'est vrai que dès qu'on capte. Passe-moi Martin. Allô, voyons. Allez, voyons. On laisse bien le cash, non, ah. Quand j'ai dit un numéro, c'était à Goyo. Voilà, là, c'est bien le cash, j'ai dit. Bon, là, on va mettre le masque, là, on a. Il y a déjà beaucoup de poussière, là. Ah, ok, dis que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, voilà, on s'est vu, ça va pas. En effet, il y a du changement dans la route, c'est cet enfant. D'accord, allez, donc, tu vas bien, c'est 1500. Donc, à quand même, on va aller du volet, avoir rien. Éviter, tu vas dire, tu vas dire, c'est la grande route qu'on peut être surpris avec une voiture. Vas-y, son cabot là. C'était qui? Son cabot, le monsieur de la maison l'appelait monsieur Koro. C'est lui qui avait tout ça. Monsieur qui? Monsieur Koro. Le pharmacien. Oui, c'est lui. Là, on est, on va dire, au niveau de chambre d'Alain. La série d'abord. On a dépassé le chambre d'Alain.
le champ d'Alain, mais on n'est pas encore arrivé au niveau d'Alain. L'Alain, c'est encore un peu du nord. Il y a une série ici, maintenant. Oui, il y a une grande série. Là, c'est les locaux chinois, les Chinois qui avaient, le marché de la route. C'est le local ici. Non, ici, c'est quoi tout ça, la série. Hein. Le bas, c'est la série. Pas tout ça. C'est les Vietnamiens. Ah, Vietnamiens, oui. La série des Vietnamiens. Okay. Ils vont dans le débitage bois, ils font même les ventes en cru. Vous voyez? C'est les Vietnamiens qui viennent, voilà. Hein? C'est leur travail, ça. C'est eux qui ont ben ouais. C'est ça? C'est terrible. Voilà. Ce qu'ils font en Afrique, hein, la déforestation. Ouais. En fait, ça s'arrête. Oh là là. Je peux reconnaître. Hein. Mais c'est beau, hein. C'est vraiment. C'est carrément ouvert. Oui, oui, c'est comment ça se trouve. C'est la ville, ça se balade. Et juste, ça se balade. Ça c'est Carrefour Bata. Bon, Carrefour, puis je ne sais pas si tu m'as pris. Moi je suis allé ici. Alain, c'est où? Ouais, allez, l'allée. Où ça? Ouais, l'entrée. L'entrée d'Alain, c'est là. Il y a des On n'est pas encore arrivé au chemin de fer. Ça passe, hein? Comme c'est la saison sèche, là. Oui, ça passe. Là, c'est. La saison de pluie avant. Ouais, je me souviens de ce carrefour. Si on va aller comme ça, après, c'est le chemin de fer. Là, c'est la haute tension. Ouais. D'abord, ça va la chiffrer. On va à gauche. Et voilà, je me souviens, on travaillait, voilà le chemin de fer là où il y a la voiture. C'est la ville, hein? C'est vraiment. Ça a vraiment changé. C'est trop, c'est ouvert, je te dis. On va traverser. Sinon, c'est tout droit. On va d'abord à gauche pour aller voir la maison de Dieudonné. De Dieudonné.
Mais Dieu donné, tu es bien ici. Regarde, regarde ton poids. On est venu ici, hein. On est bien c'est ici, hein. C'est la vie. C'est le sang, mais... Non, mais je t'assure que... Aussi, oui, n'est-ce pas? On est bien. Je t'assure. Oui, oui. Voilà, nous arrivons chez Dieudonné. Ah, Dieudonné, c'est chez toi ici. Hé! Regarde-la, voilà. Voilà, nous sommes chez Dieudonné. Bonjour, bonsoir. Voilà, nous sommes arrivés chez Dieudonné. On va d'abord dire bonjour. Oh là là, c'est beau! Voilà, j'ai bien donné. Après, on continue à mon chant. Dieu donné, fais-moi voir ce que tu as. Ouh là là, balomba. Alors là, c'est le vrai coq. Ça alors. C'est eux qui vont me faire les petits. Ah, il y en a là, regarde les petits poussins. Regarde les petits poussins. On ne va pas l'approcher parce qu'elle elle peut être. Voilà les petits poussins. Waouh. Alors, Dieudonné, si tu as combien de pièces ici, là? Tu vas nous faire un tour. Lui-même. Quatre chambres. Quatre chambres, ça va. Ouais. Mais il disait même que si tu vas aller faire un tour là-bas, chez lui, oui, t'as parlé de ça. Ouais. Tout seul, Dieudonné, ou bien tu as eu besoin de quelqu'un pour faire. Oui, un peu de manœuvre. Oui. Ah oui, avec quatre. La superficie est de combien? Dieudonné, c'est grand, hein? C'est grand. C'est ça que tu voulais me vendre, non? Avec tout. Non, non, ici, là, je n'ai pas le chemin. Hein. Non, je rigole. Voilà, le village de Kendek, mon champ à Sème. On s'arrêtait juste chez mon compte, maître, le chef de chantier. Ils vont prendre tout aussi. Pour faire un tour chez lui et après on va dans mon champ. Non, mais là, c'est la route. 5 étapes. Ouais, à peu près un peu moins de 5 étapes. L'Afrique, c'est voilà, c'est le futur. Je suis bien ici. Je retournerai plus. On est bien chez nous. On est bien en Afrique. Alors au Cameroun, je suis chez moi. Venez, venez en Afrique. Ne perdez pas le temps. Sinon, ils vont tout prendre tous les terrains. Hein. Vous avez vu hein, en route, il y a les Vietnamiens, les Chinois. Ils prennent tout. Alors restez caillés là-bas et ben venez posséder un peu petit à petit, même un hectare, deux hectares de terrain. Rentrez chez nous petit à petit. Pensez à l'avenir des enfants, de nos enfants. Voilà, tout à l'heure. Oui, c'est au bord de la mer. Bon, là, nous retournons. Nous sommes partis de chez Dieudonné. Nous allons voir. Il avait fait les maquettes.
Après si le chemin de fer, on va monter. On réussit à faire ça, vraiment, c'est magnifique. Mais comme tu dis, avec les tuiles du Cameroun. Ouais. Je vais voir les gars ici. C'est les voisins. Ouais, oui, directement. Les gars, c'est mieux de prendre les. Non, les réformer. C'est ce qu'on va faire. Puis avec les caracés, il y a un moment donné, on n'a pas toujours les piscines. On va dire que les piscines, on prend les petits commandes. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ça, c'est plus pratique en prenant les. Ouais, ouais. Les poulets déjà. C'est ouais, mieux. Ça, on veut, ça, c'est on va. Bon. C'est une urgence, hein. On va le faire vraiment assez rapidement. Est-ce qu'on va même vendre ça comme. Oui, oui. Là-bas, dans la boutique. Mm-hmm. C'est quand on achète. Voilà, une fermoire. Une fermoire. Les transiteurs, oui. En haut, là-bas. Mm-hmm. C'est un transiteur, là-bas. Ça, c'est au moins 2000 poulets. Plus, oh, même. Mais 2000 poulets. Vous avez fait dans les 40 000 poulets. 40 000, oula. Non. Ah oui. Il fait dans les 40 000 poulets. Il a dû le construire. Voilà les bâtiments qui ont dû le construire. Oui, oui. Oui. Rien que le bâtiment, c'est là. Le bâtiment, c'est là. Mm-hmm. Seul donne 20 000 poulets. Ah oui. Ce qu'il a mis là. Ce qu'il a mis là, mm-hmm. Ça donne 20 000 poulets. Ah oui. Non, c'est des gars qui ont des possibilités. Mm-hmm. Quand tu as l'espace et tout, oui. Quand tu arrives au supermarché, moi, je sais que je suis arrivé au supermarché, il n'y a pas de poulet. Tu vas même. Voilà, à, voilà, on te dit qu'il n'y a pas de poulet. Ici, là. Yeah. Ouais. C'est une autre ferme. Hein. Et même jusque là, toujours il n'y en a pas assez pour nourrir la population, rien que la population. Hein. Ouais. C'est vrai que la population est en train de s'agrandir. On parle de 5000 personnes à 10000 personnes qui arrivent à droite, venant des villages, venant de la population doit être nourrie. Et il n'y a pas assez. On est bientôt arrivé ou pas? Non, tu rigoles ou quoi? Mm-hmm. Ouais, mais bon, c'est pas comme si. C'est ouvert comme ça, non? Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est ouvert comme ça. Partout. C'est la jungle qui me fait peur. Si c'est ouvert comme ça, c'est bon. Si c'est encore la forêt, je retourne, non, j'attends encore 5 ans. Non, ce n'est plus la forêt. C'est votre parcelle même qui était forêt. Hein. C'était ma parcelle qui était la forêt. Les autres à côté, oui, ont... Tout le monde a nettoyé. Ah, nettoyé, bon. Non, on a des fichiers comme ça, on a plus. Waouh. Donc ça. Maintenant, je peux bien voir la superficie, oui, des bon, étapes. Bon, là, j'ai fait en face. Je n'ai pas fait à la maison. Derrière la maison, je n'ai pas travaillé là-bas. Oh là là, derrière ma petite cabane, j'avais une petite cabane. Pourquoi tu n'as pas fait? Non, je n'ai pas travaillé. Les enfants demandent quand on avait construit la petite cabane, on a planté, il y avait un. J'ai pensé à l'instant où. Là-bas, derrière la petite cabane, c'est plus en sécurité parce qu'aujourd'hui, les gens volent le terrain. Quelqu'un peut venir derrière, devant toi. Tu ne sais même pas qu'il est là-bas. Et il avait un petit jardin là-bas. Derrière, il n'est pas doucement. Et toi, tu dis que non, je préfère. C'est plutôt à la passer la face là que je nettoie. Ouais. Donc, étant ici, même à la cabane, tu vois quelqu'un là-bas au bout. D'accord, ouais. Je comprends. Ouais. L'endroit là, c'est beaucoup de terrain. Hein. Mm-hmm. Le terrain a pu donner dans les 4 hectares. Hein, je vois ça. On pensait que c'était 2 hectares et demi. C'est un terrain vaste. Ouais, mais comment dire, Alain, mon frère, il avait planté pour délimiter les cocotiers. Est-ce que tu les as retrouvés? Ça n'a pas poussé. Ah bon? Je vais le faire moi. Il avait planté pour délimiter le. Oui, c'est vrai. Bon, mais ça, je n'ai pas entendu. Et puis, c'est là, ça reste là. Mais il y avait aussi les. Il y avait aussi quelques bornes là. Il y a les bornes là-bas. Oui, il y a les bornes. Tu les as retrouvées. Les bornes sont là. C'est moi qui lève ce terrain, non? Le terrain là, c'est moi qui lève ce terrain. Ah, ouais. C'est moi qui lève le terrain, puisqu'on a eu les bornes. Oui, il y avait papa, il y avait. Oui, Alain. Et puis il y avait les Alain, ouais, mon frère, il y avait les bornes. Oula, regarde ici là, comment c'est. Et nous, nous mettons les limites ici. Wow. Celui-ci vient acheter derrière chez moi. Le monsieur qui vient acheter derrière. Ah, c'est que le vrai. Celui qui vient par mon terrain qui était derrière. Donc tout ça s'est acheté. Non, ouais.
Ici, là, on a déjà un lotissement. Ah, les gens. On fait le lotissement, oui. Lotissement. Parce que le, les bébés sont déjà sortis, c'est normal. Mais j'ai défoncé. Ah bon? C'est là titré. Ah, ici, c'est déjà titré. Hein. De ce côté. C'est une dame qui a là. Ça. Les deux côtés sont titrés. Ouh là 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 là. Non, je devais là, ça va avec le site foncé. Bah oui. Quand tu l'outil. Il aura sur le côté ici pour l'outil. On va voir à gauche. On va monter la colline là. Ah oui, on va monter la colline là-bas. C'est ça. Si je me souviens, je me souviens ici là. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il était là, il est vu. Il est sorti, il y a le blé, il est là. Moi, je vais voir les gars ici. La voisin. Ouais, oui, directement. Nous, les gars, on essaie mieux de prendre les. Non, les réformer. C'est ce qu'on va faire. Et avec les terrassés, il y a un moment donné, on n'a pas toujours les piscines. Les on va liguer les piscines, on prend les petits commandes. Ouais, ouais. D'accord, ok. Là, c'est plus pratique en prenant les. Non, ouais. Il voulait déjà... C'est mieux. Ouais. Ça, on veut, c'est on va, on, c'est une urgence, hein, on va le faire vraiment assez rapidement. Jusqu'on va même rendre ça compte. Oui, oui. Dans la boutique. C'est quand on achète. Là, il fait rouge, c'est la mi-caisse. Une fermoire. Il est transitaire, oui. En haut, là-bas. C'est un transitaire, là-bas. Ça, c'est au moins 2000 poulets. Plus, oh, même. Oh, mais il a 2000 poulets. Le gars fait dans les 40 000 poulets. 40 000, oula. Non. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui. Il fait dans les 40 000 poulets. Il a dit le conseil, voilà le bâtiment qui est en construction. Oui, ça. Rien que le bâtiment, c'est là. Le bâtiment, c'est là. Seul donne 20 000 poulets. Voilà, oui. Ce qu'il a mis là. Ce qu'il a mis là, il donne 20 000 poulets. Non, c'est les gars qui ont des difficultés. Quand tu as l'espace et tout, oui. Quand tu arrives au supermarché, moi je sais que je suis arrivé au supermarché. Il n'y a pas de poulet, tu vas même voilà, voilà, on te dit qu'il n'y a pas de poulet. Ouais. C'est une autre ferme. Hein. Et même jusque là, toujours il n'y en a pas assez pour nourrir la population. Rien que la population. Hein. Bientôt arrivé ou pas? Non, 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 encore moins de 2 à 3 km. Non, tu rigoles ou quoi? Mmh. Ouais, bon, c'est pas comme si. C'est ouvert comme ça, non? Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est moyen. C'est la jungle qui me fait peur. Si c'est ouvert comme ça, ça va. Si c'est encore la forêt, je retourne, j'attends encore 5 ans. Non, ce n'est plus la forêt. C'est votre parcelle même qui était forêt. Hein. C'était ma parcelle qui était la forêt. Les autres à côté, oui, ont... Oui, tout le monde a nettoyé. Un nettoyé, bon. Non, on a des fichiers comme ça, on a plus. Waouh. Donc maintenant, je peux bien voir la superficie des étapes. Bon, là, maintenant, j'ai fait en face. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait à la maison. Derrière la maison, je n'ai pas travaillé là-bas. Oh là là, derrière ma petite cabane, j'avais une petite cabane. Pourquoi tu n'as pas fait? Non, je n'ai pas travaillé. Les enfants demandent quand on avait construit la petite cabane, on a planté, il y avait un. J'ai pensé à l'instant que là-bas, derrière la petite cabane, c'est plus en sécurité parce qu'aujourd'hui, des gens volent le terrain. Quelqu'un peut venir derrière devant toi. Tu ne sais même pas qu'il est là-bas. Et il avait un petit jardin derrière. Il est pas doucement, doucement. Ouais. J'ai dit que non, je préfère. C'est plutôt à la passer en face là que je. Et les doigts. Ouais. Donc, étant ici, même à la cabane, tu
tu vois quelqu'un là-bas. D'accord, ouais. Mais là, c'est beaucoup de droits. Hein. Mm-hmm. Je devrais donner dans les 4 hectares. Hein, je pense. On pensait que c'était 2 hectares et demi. Un terrain vaste. Ouais, mais comment dire, Alain, mon frère, il avait planté pour délimiter les cocotiers. Les... Est-ce que tu les as retrouvés? Ça n'a pas poussé. Ah bon? Une nouvelle ferme là-bas. Il avait planté pour délimiter le. Oui, c'est vrai. Bon, mais ça, je n'ai pas entretenu. Et puis, c'est là, ça reste là. Mais il y avait aussi les. Il y avait aussi quelques bornes là. Il y a les bornes là-bas. Oui, il y a les bornes. Tu les as retrouvées. Les bornes sont là. C'est moi qui lève ce terrain, non? Le terrain là, c'est moi qui lève ce terrain. Ah, c'est ouais. Moi qui lève le terrain, puisqu'on a vu les bornes. Oui, il y avait papa, il y avait. Oui, Alain. Oui, il y avait les Alain, mon frère, il y avait. Oui, regarde là, ici, là, comment c'est. Nous qui mettons les limites ici. Wow. Celui qui s'est bien acheté derrière, sur moi. Le monsieur qui est là-bas. Ah, c'est vrai que non, ouais. Celui qui veut pas monter là, qui était derrière. Donc tout ça s'est acheté? Non, pas encore. Ah ouais. Ici, là, les gens ont le lotissement. Ah, les gens. Le lotissement, oui. Le lotissement. Parce que les bébés sont déjà sortis, c'est un petit peu foncé. Ah bon? C'est là titré. Ah, ici, c'est déjà titré. Hein. De ce côté. C'est une dame qui est là. Ça. Les deux côtés sont titrés. Ouh là 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 là. Et on est presque dans le lotissement. Aujourd'hui, maintenant, ça va avec le gilet foncé. Bah oui. Non, tu l'outil. Il y aura sur le côté ici pour l'outil. Après, on va aller à gauche. Ah oui, on va monter la colline là-bas. C'est ça. Si je me souviens. Je me souviens ici. Là. J'ai mon nom, j'ai mis la nuit. J'ai donné. Maman. La main d'Obi Awaka. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il était là, il était vu. Il est sorti, il y a l'autre, il est là, il est là. J'ai mis mes bottes, hein. Vous avez vu? Avec les bottes là. J'ai peur, les fourmis maniaques et tout ce qu'ils avaient. T'as pas fermé la voiture? Ah, je suis équipé là. Allez, on met les bottes, on va marcher. On a marché 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ouf. Mais j'avoue qu'il y a du changement depuis. Faut que je commence le poulailler parce que quand je veux manger le poulet, même au centre commercial, on n'en trouve pas. Même pour nous, même à la maison. Et à la boutique Maison Biocam, on me demande si j'ai pas les viandes, le poulet, et le poulet de plus en plus, c'est rare et c'est cher. Bon, voilà. Regarde toujours. Il fait chaud, on a plus de 30 degrés quand même. Hein. Ouais.
9. On sent que l'air est pur, l'air n'est pas pollué quoi, comme en ville à Douala. Vraiment agréable. Voilà, je reconnais ici. On arrive déjà. Bon, la marche à pied est presque impossible. Je suis fatiguée dans la voiture. On a été chercher la voiture pour moi. Il ramène la voiture. Ben oui, la voiture est là. On fait la marche à pied de 10 minutes qu'il dit là, mais apparemment ça passe. Dieu donné. Bon, champ est déjà là, non? Ça partit d'où? Le champ est à haut de cette colline, à partir du haut de. Hey. Il laisse la voiture. Il monte encore, non? Monte. Kinyaki. Ah ouais, attends. Il y a une borne où? Là? Donc ça commence là, le terrain. Il y a un montant. Ok. Là, on n'a pas de vision de ce côté-ci. C'est sérieux, le gabement est quelque part là. Donc tout ça, c'est le terrain. Et ça va jusqu'en bas, en bas, en bas. Tu dis, oui, on voit que tu as brûlé. C'est la cabane que je cherche. Je me rappelle ici, non? Ici, il y avait, oui, le petit carrefour. On garait toujours, on garait ici. Tu peux venir à droite, à gauche, vas-y. Comme ça. Oui. C'est celle-là, ma cabane, non? Oui, là-bas, là-bas. Ah, ma cabane. Ça va? Bonjour. Voilà ma cabane. Depuis 2010, c'est du bois. Hein? Là, tu vas tourner, c'est celui là-bas. Lui là-bas. Hein? C'est en plus là, parce qu'il y a des. Mmh. C'est une grande. Voilà, je me souviens, ma cabane. Voilà ma cabane. Il y a des gens qui habitent dedans, il y a même des pièces et tout. Bah, bien sûr, c'est habitable. C'est ouvert. Donc, tu vas aller tourner là-bas au bout. On va descendre. C'est d'où à où? De la route là-bas. Mm-hmm. La terre, on est venu là. Oui. De là. Là où il y a. Regarde, oui. Ce côté-ci, oui. Ce côté-ci. Vous allez trouver là-bas où on est. Voilà. Il va venir là-bas. Il va venir là-bas. Mm-hmm. Qui repart, qui remonte là-bas. Hein? Tu vois un peu. Mm-hmm. Cet espace-ci est seulement resté. Donc on s'est dans cette personne. C'est là que la route a été créée. D'une autre, on est le nord, c'est bon le nord. D'accord, c'est d'un côté d'une route à l'autre côté de la route. Oui. Donc, vous voyez, vous l'avez aussi. Moi, je m'étais arrêté à ma cabane. C'était la jungle, oui. Mais c'est vrai que c'est mon frère qui connaît plus des limitations. Dieu donné ce que tu me montres là. Oui. C'est ça, non? C'est ça. Si c'est pas ça, là, il y a tout ça sur les papiers. C'est ça. C'était trop la forêt à l'époque. Donc tout ça, ce que tu as brûlé ici, là. Tout ça, c'est... Ça, c'est beau. Ça, c'est 3 états. C'est presque 3 états. Il y a 2 états, 800... Et de ce côté, il y a combien c'est de... C'est 3 états. Donc ici, là, j'ai 1 hectare. Oui, ici, derrière. Quand on prend là, derrière, les arbres... Tout ouais. On a l'eau. Oui, l'eau, voilà. Je sais que ce côté-ci, il y a l'eau vers le. Il y a un marécage en bas. On va faire le tour de ça. Bon, là, on va faire le tour de ce côté-ci. Je préfère commencer de ce côté. Voilà, le seul souvenir depuis 2014, là, quand ma cabane. Elle était bien fermée. Hein. Petite maisonnette. Donc de ce côté j'ai 1 hectare et demi, et ce 2 hectares, et de l'autre côté 3 hectares.
si on ne s'en occupe pas depuis, le terrain reste le terrain, ça prend de la valeur, c'est le plus important. Plus les années passent, plus le terrain prend de la valeur. La terre ne pourrait pas. Oui, Dieu donné, je préfère le poulailler vers à côté, pas très loin de la cabane. Oui, de ce côté-ci. Oui. Ouais, commence pas. Ce que j'ai dit, non, mais je commence pas. À Dieu donné, Waran. Voilà, on est en train de voir la délimitation des 3 hectares. Jusqu'à là-bas, ça va être pour les plantations du bananier, la banane plantain, peut-être le manioc et tout ça, tout ce qui est ici. Le processus du départ, c'était de défricher et abattre. Voilà, maintenant on a brûlé et après on attend pour les semences, enfin pour planter. Donc, tout dépend, c'est un processus que je ne maîtrise pas trop. Mais voilà, lui, il sait, il s'occupe de ça. Il s'occupe depuis des champs. De la famille, des hectares dont je viens aussi, c'est une chance d'une famille qui a des palmeraies, des hectares, 80 ou 100, je ne sais plus, hectares que mes parents possèdent. Il nous montre jusqu'où la délimitation. À l'époque, franchement, c'était la forêt. J'ai pas eu le temps de faire. Bon, je me suis arrêté à ma cabane. C'est ça mon point de repère. Il faut marcher pour la délimitation. Quand ils sont venus mettre les bornes, c'était. Je n'étais pas là, c'était mon père, mon frère et lui. Ouh, mon bras est fatigué. On continue. Fait le tour du terrain. Donc, il y a le côté de la cabane à 1,5 hectare. Et en face, la route, il y a 3 hectares. Je crois que là, ça s'arrête là. Ah oui, ça descend comme ça jusqu'en haut là-bas. Hein? Tu disais? Ça se limite, ouais. C'est grand. Ça se limite. Moi, juste dans l'eau, il y a une souche en bas. Mm-hmm. Ah, il y a l'eau de l'autre côté. Il y a une souche qu'on voit en bas là. C'est comme vous voyez les arbres ici. Ouais. Là où ça se limite. Jusqu'à là où on était là. Jusqu'en haut là-bas, oui. Okay. Mais ici, il n'y a pas une borne ici. Il doit avoir une borne de ça. Je n'ai pas envie de jouer. On veut bien de ça. Ça va les faire. Ici, j'ai vu que la limite ici. Qui t'a dit que la limite c'est ici? C'est le jour qu'on mettait la limite, moi, c'est moi qui t'ai dit. Avec le chef, avec la laine. Oui. C'est ici qu'on a mis la limite. Elle est plus bas, mais comme monsieur Koumou, on avait enlevé un peu le terrain avant. On est dans le compost ici. Ah, lui. Oui. C'est lui comme ça, c'est le petit.
je ne dis bien sûr pas le seul village. Tu sais, je n'ai même pas encore délimité tout. Hein. Donc, c'est ça. C'est déjà ouvert, hein. C'est comme la ville même, hein. Vous avez vu. C'est ouvert, hein. Je te dis, c'est vraiment agréable. Ah oui. C'était son souhait. Il a sa part de maison. C'est que la route, si on est à l'endroit. Parce que c'est éloigné là. Non. Avec ses charges, c'est ça. Avec le maître, il tient pratiquement moins d'une heure d'avoir ici. Moi, ils m'ont appelé, j'étais à la maison. Après, ils me rappellent, je suis au pont. C'est le canard. Ah, regarde dedans, ouais, il y a les portes dedans. Bon. Limite, il y a un kera jusqu'en bas là-bas. J'aime bien les fermes comme ça là. Ah oui, avec le bois et tout ça. Il y a les canards. Oh là là, on entend, hein. Les enfants, les gros cochons. Ouh là là! Il est gros, il y a les poireaux. Ça alors, eh ben dis donc. Ils sont gros, hein? Il y a les costauds. Dis donc. Non, mais tu n'as pas vu ceux qui sont en haut là-bas. Ouais, on les sépare en fait quand ils arrivent. Oui, waouh. Ouais, une ferme comme ça traditionnelle, elle n'a pas besoin de trop réfléchir pour les. Sauter sur moi. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ça c'est un du bon travail, ça. Le porc qui a du goût, le vrai porc. Vous avez passé le travail avec ça. Ça, c'était dans mon terrain. Mon terrain, mon terrain. Que, you know, les goyaves. Je suis en train de cueillir les goyaves. Le goyavier de mon. Ah, c'est la cueillette de goyaves. Ah, il ne faut pas que ça tombe sur ma tête. Hein. La cueillette de goyaves. Oh, voilà, il y en a. Oh, ça, c'est bien mûr, ça. Ah, c'est bien mûr. Non, celui-ci, quoi, il n'est pas trop, il y a les vers dedans, on dirait. Non. Celui-ci, non, je ne veux pas. Il y en a plus de riz. Il y en a qui sont tombés là, il y en avait ici, là. Là. Celui-là, il est bien. Il est tombé tout à l'heure. Fais voir comment c'est bien mieux.
hein. Là, on voit bien la couleur, là. Les jus de goyave, là, que vous buvez, là, hein. C'est de mon champ, hein, Dieu donné. Oui, oui. Hein, bien mûr. C'est du bio. C'est du bio. Les jus de goyave de la maison Biocam. Et je donc. On a fait le tour de, du champ. Comme vous avez vu, hein. On a passé quoi, une heure. Là, c'est le retour, là. Hein, Dieu donné. Là, maintenant, on transpire. Là, on entend son bateau de l'entrée. On a vérifié tout, on a essayé un peu de voir les projets sur lesquels on peut. Comment on peut commencer par quoi? Ouais. Par un poulailler, tu vas un peu lancer dans l'eau. Donc, alors, tu as dit quand on va aller à la pistache qui va se faire, là, on va plancher ça. On va faire un genre de pistache. Ça va se faire dans combien de temps, là, la pistache? Le travail commence dans une semaine. Dans une semaine. Donc, la pistache, c'est 3 mois. Oui, le pistache, c'est 3 mois. Et au bout de 3 mois, un million. On peut avoir 1 million, c'est ça? Oui, ça dépend, ça dépend. Ça se coupe aussi. Ça se coupe, oui. Oui, que le pitage peut donner. Ah, oh là là. On va aller doucement, Non, il faut pas que la voiture... Il est obligé d'accélérer. Ah, d'accélérer pour la colline. Oui. Bon, faut pas que... branche, c'était une branche. Faut pas que ma voiture se casse ici. Hein. On va aussi faire des ignames. Les ignames aussi, ouais. Plantains, un peu de manioc. Les ignames, ça met plus de temps. Hein, pour les ignames, c'est un an. Bon, Macabo, il va aussi faire un an. Bon, je vois que c'est tout. Voilà, comme on vous a expliqué, on prend la route et d'ici 2 semaines, on reviendra d'ici 2 semaines. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Bye bye, à bientôt. Il faut pas mettre le matango. Les choses de la ville. Le matango du village là. Ah ouais. Jusqu'au vin de palme. On connaît la vie du village.